Bonjour, je vais vous montrer un autre jeu MSX au format Laserdisc de la série Falcom. Celui-ci s'appelle Umi Yukaba. Encore sur fond de guerre, mais cette fois un peu plus guerre navale. Donc Strike Mission était plus dans les airs. Donc sur la même idée, je vais vous montrer les séquences vidéo qui composent le jeu. Donc il n'y aura pas les surcouches graphiques du MSX. Vous pourrez voir le panel de séquences qui ont été tournées pour ce jeu. Donc, la jaquette de un peu plus près. En arrière, les séquences que l'on va voir, de la bataille navale. Le fascicule de fonctionnement pour mettre le laserdisc, comment contrôler avec son MSX, les boutons, le clavier, le joystick, les constituants nécessaires, le lecteur de laserdisc, l'interface, le MSX, votre chaîne IFI, votre télé, donc ça, comment jouer selon la carte un petit peu bataille navale, hein, toucher couler. Alors, qu'est-ce que peut dire la deuxième page? Ça, j'ai pas regardé. Donc, bon, les explications du jeu, hein. Et, celle sur la sécurité et l'entretien du laserdisc. Donc, là, on a une liste de bateaux, des cuirassés, ce qu'on veut. Donc, il va y avoir des informations, sûrement sur les points, quand on les détruit. Et l'autre fascicule est identique que celui qui était dans Strike Mission, donc c'est la présentation un petit peu des autres jeux. D'ailleurs, on voit Strike Mission ici. Voilà. Et bien, je vais le lancer de la même manière. Bon visionnage.
Alors, est-ce que la vidéo est en pause? On est sur, on dirait que c'est une pause. On va voir si on peut avancer, sinon on ne pourra pas aller plus loin. C'est ça qu'on a. Il marque des temps de pause en attendant sûrement l'information suivante du MSX. Est-ce que c'est la même séquence qui se répète? On va regarder. Donc ce n'était pas la même séquence. Vous êtes condamné à appuyer sur play à chaque fois. Thank you.
Voilà, on a terminé la phase 1. La phase 2, normalement, ne contient pas de données. Je vais la mettre pour la forme. Mais normalement, on devrait avoir le message en disant qu'il n'y a pas d'information et veuillez retourner votre disque. Voilà, ce fameux message. Donc, c'était Umi Yukaba sur MSX Laserdisc. Je vais remettre le champ. Voilà, c'est un petit peu mieux. Je vais faire un reset. Donc, jeu sorti en 1984. On n'a pas vu les phases de jeu, mais on a vu la vidéo qui tourne en fond derrière le jeu. Donc, je vous invite à aller sur Internet pour trouver peut-être des photos du jeu en fonctionnement. Donc, vous allez me dire que c'était pas spécialement passionnant de voir ça, mais au niveau préservation et pour connaître le type de contenu qu'il pouvait y avoir à l'époque, ça l'est. Voilà. Merci d'avoir regardé. À bientôt.